C'est dommage qu'ici on n'apprenne pas les langues. C'est vrai que d'autres pays sont plus ouverts. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de latinos. Bah, si tu vas retirer de l'argent dans un distributeur, c'est marqué en anglais, bien sûr, mais aussi en espagnol. Et je trouve ça très cool. Ici, il y a pas mal d'arabophones. Si tu vas retirer de l'argent, c'est pas marqué en arabe. Rien n'est en arabe. Si tu prends la ligne 1, tu vois, des messages dans toutes les langues, sauf en arabe, espagnol, anglais, chinois, italien, sauf en arabe. Et c'est un peu vexant quand tu vois le contenu du message. Mesdames et messieurs, des pickpockets peuvent être parmi vous. C'est qu'ils s'adressent à toutes les communautés, sauf une seule. Pour eux, c'est clair qui fait quoi dans la verre, tu vois. Donc je vais chanter en arabe. À un moment donné, je vais dire l'angba. Enfin, je préfère le dire. Non, non, mais je préfère le dire direct. Non, mais c'est vraiment à l'Akbar, bonne ambiance. C'est vraiment à l'Akbar, très sympa. C'est pas l'Akbar, il y a quelque chose qui se passe derrière. C'est vraiment. D'ailleurs, l'Akbar, c'est une expression magnifique qui veut dire Dieu est grand. Et ça a été mal utilisé par certaines personnes. Et moi, je suis en train de faire une campagne pour récupérer à l'Akbar. En fait, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, tu dis à l'Akbar. Tu sais, dans le métro, tu laisses ta place. À l'Akbar, madame, installez-vous. Et petit à petit, on récupère. Donc, à l'Akbar, c'est important, ok? بسم الله باش بديت على نبينا صليت بسم الله ولله شكر الحمد لله لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله النبي داوينا Alors maintenant c'est très simple, vous allez tous chanter, vous allez dire Allah, ok? Vous allez voir, ça va bien se passer, c'est très simple. Allah, 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 plus fort, plus fort. Allah, 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 Allah. Que les Français, que les Français. Et voilà comment tu convertis une salle sans armes ni violence, juste avec une petite chanson. Alors amis français, on plaisante, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que parfois il y a vraiment des gens derrière qui m'envoient des messages genre Ramadan arrive, est-ce que je suis concerné? Non. On plaisante les amis.